des rames toutes neuves sur la ligne Polt, c'est possible. Et sauf surprise, c'est la société CAF, une entreprise espagnole, qui devra les construire. Des trains au look mi-TGV, mi-TER, qui fileront très bientôt entre Toulouse et Paris. L'arrivée du matériel devrait commencer fin 2023 pour une totalité du parc fin 2025. Tout ça doit nous permettre de poursuivre une croissance de trafic que l'on ne peut observer déjà depuis 2 ans sur la ligne. Pour autant, les voyageurs ne seront pas transportés à la vitesse grand V. 200 km à l'heure a décidé l'État. Ce sera mieux qu'aujourd'hui, 180 km à l'heure dans le meilleur des cas. Mais c'est très loin des 220 que réclame Paul Turgence, qui rêve d'un Paris-Limoges en 2h30. Quand vous parlez à des gens de Limoges, aux forces économiques de Limoges, qu'est-ce qu'elles vous disent? Nous, un train qui nous emmène en 2h30 à Paris, c'est parfait. Ou quand on va chercher quelqu'un à Paris pour l'amener à Limoges, 2h30, c'est le bon timing. 3h, c'est trop. Moins, ça sera très compliqué. 2h30, ça nous va. Mais pour l'instant, les usagers doivent se contenter d'un 3h15, même si les trains qui arrivent à l'heure sont de plus en plus nombreux. Moi, ce que je constate, c'est une amélioration sensible de la régularité de la ligne depuis 2 ans. On a gagné près de 10 points de régularité sur la ligne, que ce soit l'arrivée au terminus ou l'horaire de départ à l'heure des gares origines. Seul bémol, et il est de taille, les travaux de régénération de la ligne vont se prolonger jusqu'en 2025.